Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dynonico, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un Arsen. La Marsanne est un cépage vigoureux, assez facile à cultiver. Il fait partie des principales variétés blanches de la vallée du Rhône. Également présent en Provence, il se développe en Languedoc. Sa couleur est généralement jaune pâle avec des reflets jaune paille. En ce qui concerne le nez, il est plutôt floral avec des parfums légers de fleurs blanches comme l'acacia, mais aussi de miel, d'épices, de fruits blancs et de fruits secs. En bouche, l'attaque est souple, d'une acidité assez faible et dominée par des impressions de rondeur. On y retrouve les arômes du nez, assortis de notes boisées dans les cuvées élevées en barrique. La Marsanne est souvent complice de la Roussanne dans les vins de la vallée du Rhône septentrional. Elle domine généralement les assemblages des Hermitages, Creux-Hermitage et Saint-Joseph produits dans cette région. En Hermitage, elle donne aussi un rare vin de paille et à Saint-Péret, elle produit un vin effervescent. En ce qui concerne la conservation, vous pourrez le garder facilement 5 ans et suivant certaines cuvées, il peut aisément encaisser une dizaine d'années. Pour la température de service, il exprime parfaitement tous ses arômes aux alentours de 12 degrés. En ce qui concerne les accords, je l'accompagne généralement de poissons comme le turbo ou de la lotte, servi meunière avec des courgettes poêlées bien poivrées. En entrée, on pourrait le servir sur une terrine de 3 poissons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir regardés.